Alors 200 grammes de farine et je vais mettre bon allez je vais mettre la harira. La dernière fois j'avais fait shorba donc je vais juste vous montrer que c'est simple de faire je fais pas de pub à personne donc je rajoute en fait 200 grammes de farine et je rajoute le mélange. On mélange vite fait. Ensuite, je mets 240 millilitres. Je mélange. Bien sûr, j'ai porté ma marmite à ébullition. J'ai mis 3 litres d'eau pour ma soupe parce que moi je fais pour 3 jours, donc après, si vous voulez, on pourra diviser ensemble. J'ajoute la moitié du même verre. Donc là, j'ai mis 3 litres d'eau. Je vais baisser. Et s'il reste encore un peu, on va juste enlever les restes en fait. Comme ça. D'abord, on porte à ébullition, après, on va voir s'il y a assez de farine ou pas. Donc, si elle est... Alors, j'ai mis une cuillère, une demi-cuillère à café. Demi-cuillère à soupe d'épices. Je fais comme ça pour éviter que ça se... Bon, j'ai dû le mettre dans la farine, mais bon, j'ai pas pensé. Donc vous, si vous le faites, faites-le donc. J'ai pas encore mis le sel, on mettra le sel plus tard parce que j'ai peur que ça soit... Si, on mettra quand même une cuillère parce qu'il y en a beaucoup, donc je mets aussi ma zafran. Notre soupe commence à prendre forme. Après, si on peut rajouter d'autres. Je sais pas, de la viande ou ce que vous voulez, ou des pâtes. Ah, je donne juste un coup de fouet, juste au cas où il y a encore des grumeaux. Bon, là, elle est en train de monter, il vaut mieux baisser le feu. Sinon, ça va déborder. Je fais comme ça au cas où il y a des grumeaux. C'est la bonne consistance. Café de sel. Ouais, il faut faire attention. Faire attention puisque là, ça peut déborder. Donc, bon, là il est 8h. Ouais, 8h moins 10. Ça va être chaud là. Ça va être chaud patate. Hein. Bon, ce truc ça marche aussi pour la sorba. Donc voilà, technique. C'est
J'ai déjà fait le harira traditionnel, mais c'est trop de travail. Voilà, après, quand on a le temps, on peut s'y mettre. Hein. Donc là, j'ai baissé le feu. Voilà. Parce que sinon, ça risque de. Donc voilà. Oui, un tout petit peu pour laisser cuire. Il faut quand même faire attention. Et ça cuit tout doucement. Faut surveiller. Oui, il faut vraiment surveiller. Sinon, vous faites comme ça. Voilà les amis, il n'y a plus qu'à la servir. Et puis, bon ftour et bon début de Ramadan à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.